Tatamayo, Tatamayama Terubunto. Tatamayo, Tatamayama Terubunto. You manteruto is Obamae. Baman Saruke be pum pum. Baman Saturu dung it on Taran Chong. Bamba la boîte et chef d'enton. Wokuti, Wokuti de Tabama Kutati de Tatan la Mandi Mikila. Mana Wokuti. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai demandé de partir, non? Chérie. Prendez, tu ne peux pas me chasser de chez toi comme une vieille chaussette. On a passé la nuit ensemble et on s'aime. What? Non. On s'est mis pour qui et qui? Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. C'était juste pour une partie de Jean Ballet, une histoire d'une seule nuit. Et toutes ces belles paroles que tu me disais, elles ne signifient rien pour toi. Tu m'as fait tomber amoureuse de toi. Hey, je te croyais pas aussi naïve. Donc tu continues de croire tous ces baratins que les hommes racontent? Écoute ma chérie, les hommes pour arriver à vos pommes de Vénus, Vénus vous raconte tout ce qu'ils veulent, tout ce qui les arrange. Ils créent même un dictionnaire tant que ça leur fait plaisir. Et quand l'objectif est atteint, sors de chez moi, ce que tu aurais voulu. N'importe quoi. Je t'aime. Faut aller vendre ton amour ailleurs, putain. Oui, à la croix. C'est quoi? Parce que dans le bonjour, tu me donnes, t'as tout en train de discuter avec lui. Je préfère que m'encore une petite qu'à l'humiliation que ma persécution lui au cours de demi. Justement, madame le PV, c'est à cause de ton vieux clou et toi que ma journée est perturbée. S'il vous plaît, arrêtez, je ne veux pas de désordre dans ma boutique. De grâce, j'ai prié aujourd'hui pour que ma journée soit bonne, donc ne la gâchez pas. Ma chérie, tu as raison. Même celui qui ne prie pas chez lui avant de sortir, Dieu est conscient qu'il a besoin d'une bonne journée pour la suite de sa vie. Mais les putes comme celle-ci là, ta pute copine-ci là, on dirait qu'elles ont l'art de tout foudre en l'air. Madame, trouve-toi un homme. Laisse mon mari en paix. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas d'humeur à me discuter avec toi ce matin, encore moins avec qui que ce soit. Si ça peut te rassurer, tu passeras une très belle journée. Ton mari là, il ne me sert à rien. Je dis bien à rien. Ah bon, hein? Et pourtant, tu te sers tous les jours, madame. En tout cas, c'est la dernière fois que je viens t'avertir. Je ne voudrais pas qu'un jour tu regrettes d'avoir connu ce vieux clou-là. Parce que là, je t'aurais avisé. Et à Brenda, quand on parle de Marie, celle-là se place aussi au marché. Un imbécile, un chien qui a passé toute la nuit à me malaxer. Et quand je me réveille le matin, bam, le bon monsieur était déjà parti. Après l'humiliation de son mari, maintenant c'est à son tour. Vous êtes bien réveillé sur moi ce matin. Hein? C'est... Oui, c'est ça. Tu sais tout. C'est cet imbécile de Bembe. C'est son mari qui me met dans cet état ce matin. Brenda. Tu te rends compte? Cet idiot, cet imbécile, ce bon à rien a passé toute la nuit à me secouer comme un cocotier. Et quand je me suis réveillée le matin, l'idiot n'était plus là. Il est parti en laissant 5000 francs. Je dis bien 5000 francs à la réceptionniste pour qu'elle me donne. Et comme ça ne suffisait pas, après m'avoir secoué toute la nuit, il n'a pas manqué de m'afficher. Brenda, je t'ai toujours dit que cette vie ne te mérite pas.
Trouve-toi un homme pour toi et laisse les hommes des autres. C'est quoi ton problème? Djelia, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aucun homme ne veut rester avec moi? C'est quelle humiliation ça! Calme-toi. Calme-toi et explique-nous réellement ce qui se passe. Ta copine vient encore de se faire larguer par un autre mec. Je te rappelle que c'est aussi ta copine. Oui, mais qui refuse de les comprendre. Écoute ma copine, les hommes n'aiment pas les filles collantes comme toi. Combien de fois t'ai-je invité à rejoindre mon école pour apprendre à mieux les comprendre et à les rendre fous de toi? Oui, c'est ça. Raconte-lui la misère que tu as eue hier soir et tout à l'heure. Je t'ai toujours dit que cette vie ne te mérite pas. Arrête ce que tu fais. Calme-toi ma copine et explique-nous ce qui s'est passé. Radley ne m'aime pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était mon corps. Maintenant qu'il a pu en avoir, il m'a chassé de chez lui comme un malpropre. Les hommes, des fins stratèges. Radley qui était si doux comme un agneau, lui qui courait après toi. Oui, mais il va courir après toi un ou deux ans. Tout simplement parce que ce qui se trouve entre tes cuisses. Mais après l'avoir obtenu, bam, il va te montrer son vrai visage et il va passer à autre chose. Les hommes sont comme ça. Tu devrais te sentir heureuse, ma copine, qu'il a eu à te montrer son vrai visage. Un autre t'aurait laissé dans l'illusion, passer son temps à te pédaler, pédaler et repédaler jusqu'à ce que tu découvres son nouveau dossier. Ah oui. Bienvenue dans le club. Wow, Anto, tu as déjà terminé? Oui, mais le client n'est pas encore là. Donne-moi 100 francs, je vais acheter le détergent pour la prochaine voiture. C'est déjà 300 francs que vous me prenez depuis le matin. Oui, mais quand c'est moi, tu demandes des comptes. Normalement, on devrait avoir des détergents gratuits ici. Puisqu'on partage ça gratuit à la boutique. Tu es un peu le boss, mon frère. Quand je serai le boss, je vous en donnerai gratuitement. Pour l'instant, contente-toi de rembourser. Oui, c'est ça. Patrick. Je me demande ce que tu fais encore ici avec nous. Tu devais être dans un de ces partis politiques à nourrir cet citoyen d'espoir. Que veux-tu insinuer? Pat, les politiciens vendent le rêve. Et tu excèdes dans cet art. Vends même le rêve, on mange l'argent, non, mon frère? Ouais. La politique là, hein, je n'en sais rien. Pardon. Pourtant, en tant qu'intellectuel, tu devrais t'intéresser. Je parle de ça ici tous les jours. Tu fais comme si tu n'entendais pas. Anto, s'il te plaît, on en parle plus tard. Pour l'instant, là, tu vas me distraire, s'il te plaît. Ok, boss. Oui, pardon. Malaya! Oh, pas de pas. Le seul boss que je n'ai jamais eu. Gars, t'as pas ce gâteau, essaie d'arrêter de l'embrouiller. Et qui est? Donc c'est à cause de la nourriture que je joue à mon pote. Tu ne veux plus. Tu sais, celui qui refuse à manger n'a jamais vu la famine passer dans une maison, dans le noir, où tout le monde dort. Tu es un habitué. Il ne faut jamais se rappeler pendant la nuit qu'on a passé une journée sans manger. Mon Dieu, tu vas tourner dans le lit là comme mauvais esprit. Je te dis. ma chérie, voilà, apporte-nous deux jours de 5500, c'est moi qui paye. Une journée payante. Mon frère, c'est la seule chose avec laquelle on part. Merci mon bébé. Merci. With your families by my wrong, then I open you.
kokoko poaga mandengwa oh magia wa ezwa mandengwa maha oh wa me bonga wa ezwa mandengwa kale ba malana mu marla epkende maha wa Kale ba malan mu mar la rep kende ma ho ebe undak